j'espère que vous allez bien les amis. Première terrible nouvelle du jour. Il va bien, alors il a pas... donc il a... Voilà, il a... Voilà. Et il a fait son annonce là ce matin sur son Discord à 8h45. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de son côté tout va bien. Donc ça c'est nickel. Donc je voulais vous annoncer que j'arrête les streams et la création de contenu en général. Ce mois de réflexion, recul. Ouais, donc ça faisait un mois, un peu plus d'un mois qu'il avait donc fait une pause. C'est-à-dire qu'il a changé de compte Twitch. Voilà, je le dis, j'ai la boule. J'ai la boule à la gorge quand j'en parle, c'est un truc de ouf. Donc voilà, en tout cas voilà, comme ça vous le savez, on va se servir un petit whisky. Ah non, on peut même pas faire de l'humour sur Twitch, c'est vrai, parce que sinon on va avoir des problèmes. C'est de l'eau, Twitch, c'est de l'eau, hein. Bon, enfin, il m'avait déjà prévenu, là, il y a quelques jours, que ça lui faisait du bien, sa pause, et que, justement, il était bien mieux sans les réseaux. Et voilà. Après, moi, je vais dire... Bon, après, donc, sa situation est différente, hein, pour ceux qui ont suivi. Là, je vais pas remonter. Là, tout ce qui est personnel, il a écrit de lui-même, mais je vais pas le dire sur mon live. Vous pouvez voir par vous-même pour ceux que ça intéresse. Donc sa situation est différente, mais c'est vrai que c'est un peu... Ça me fait penser à quand moi je faisais des pauses et que j'arrêtais, j'en avais marre, et au final je revenais 3 mois après. Mais là franchement les mecs, très sincèrement, ce sera pas le cas. Voilà, ce sera pas le cas, vous le savez très bien. Bah en tout cas on embrasse d'ailleurs Kev Kevko, bon il le sait déjà, mais voilà. Bonne nouvelle, Kev... L7C Fox. on fait le tour des copains. L7C Fox, il a sorti une nouvelle vidéo il y a une heure, les gars, et... Et incroyable cette vidéo. Ah oui, alors j'ai de nouveau Bad Omen, hein. J'ai de nouveau Mauvais Présage parce que je me fais vraiment envahir par les Pillagers. Et ça c'est terrible. Ah, j'ai fait des trucs. C'est ici j'ai commencé. Ici ce sera une petite salle chill. Le but du jeu, je me suis dit, ici ce sera un petit coin détente. L'endroit où on commence les vidéos, où on discute. Ça va être un petit endroit canapé cosy, mais genre vraiment cosy. Et avec, regardez, je me suis fait un petit plaisir. Bon, je me suis inspiré d'Instagram, mais voilà. Ah par contre ça je voulais pas, bon, je mettrais de la stone en fait. Voilà. Excellente idée, merci. La niche ici, elle a pas bougé. La niche ici, elle a pas bougé. Et là j'ai, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une niche grandeur maison. Et donc là dedans il y a 4 loups. C'est les 4 loups que je vais mettre, les 4 name tags. Mais on pourra en mettre plus à l'intérieur. Vous en pensez quoi? Parce que bah, je me suis pas amélioré en build hein, mais j'essaye des trucs. Ah mais j'ai fait de la D là. J'ai pas rempli de slab ici. Bon, c'est pas grave. Mais bon, vous avez à peu près l'idée, quoi. Donc l'idéal, ce serait de trouver un désert pour avoir du cactus, pour, voilà, les temples, les structures, etc. Ce serait l'idéal. Si en plus, on trouve un biome mangroves, comme l'avait suggéré Flo, ce serait incroyable. Je te redécouvre sur cette série, c'est un truc de fou. Yes! Là, je ne sais pas combien tième qui me redécouvre. Ça fait trop plaisir. Bah merci beaucoup. Hein. Vous êtes déjà tellement nombreux à m'avoir redécouvert et à être fidèles à la chaîne. Vraiment, c'est un plaisir. Parce qu'il y en a eu des gens qui m'ont redécouvert et qui sont repartis d'aussitôt parce que bah, ce qui peut être compréhensible, tu vois, le contenu ne les correspond plus ou ma personnalité ne les correspond plus. Il y en a pas mal qui sont restés... What? Oh le bug de ouf! Oh je suis trop content! Hello, j'ai l'impression d'être revenu en enfance quand je t'ai découvert sur YouTube, c'était il y a 7 ans. What? Mais c'est un truc de ouf ce qui se passe! C'est un truc... Eh, ces derniers mois c'est un truc de malade hein. Maintenant c'est Enamor, ça fait moins enfant. C'est vrai. Alors c'est pas le biome qu'on cherche. C'est... Mais... Attendez les gars, c'est pas genre un biome rare? Je serais en couple. Je dirais que je suis cocu. Alors, bon, ça fait du bien. Ça tu vois, vous voyez ce que vous me faites ce soir là? La claque que vous me mettez dans la gueule ce soir? C'est la claque que vous me mettez, ça me fait du bien tellement de ouf. Là pour la semaine je vais être parti, tous ceux qui vont parce que t'es dans le monde du travail, tu reçois toujours des remarques et tout, les gens ils comprennent pas ce que tu fais, etc. Et ça m'émeut de te voir comme ça carrément. Allez let's go, non par contre arrêtez hein. Ok, donc du coup c'est chouette, on se croirait dans Green Hell. Alors du coup je peux récupérer? Je sais pas qu'est-ce que je suis censé récupérer, qu'est-ce qui est censé pousser. Oh là là, en plus, hey, alors ça c'est bon. Je vais peut-être récupérer encore parce que j'ai un peu peur de rater. Bon, c'est pas si loin de chez nous, c'est ouf. Hey, t'imagines, hey, un jour il y aura des crocodiles. Un jour il y aura des crocodiles. Oh les grenouilles. J'ai cru qu'elle allait m'attaquer. En face, je dis c'est un désert. T'imagines? Ah non, mais t'as raison. Mais quoi? Mais c'est carrément un désert. Manque plus que le Mesa dans 12 minutes. Oui, bien sûr, je veux un biome Mesa du coup. J'en veux toujours plus. Allez, ça dégage.
Bande de nulos. Faire une base avancée et quelques coffres pour éviter de faire des allers-retours. Non mais de toute façon pour l'instant on est bon au niveau inventaire. De toute façon ça j'ai pas besoin. Bah ça en vrai j'ai pas besoin, ça va repousser. Non t'inquiète, pas besoin. Pas besoin pour le moment. Ça dépendra de ce qu'on trouve bien sûr. Si on trouve un spot et tout qu'il faut s'installer, on s'installera. Mais là pour le coup. Non les gars, je vous la tête de Wham. Ah bah après si ça se trouve c'est juste quelques blocs hein. Très bizarre. Bon, on a de la vraie savane là-bas. Et oui si, on a une sorte de mesa là quand même. Oh c'est ouf. Et GG, fin de l'exploration. Exactement. Et là Stronghold. Non, il faut que j'arrête de dire ça parce que la vérité, il va y en avoir un. Non, c'est bon, il y a pas de Et ça c'est du terracotta classique. Ah OK, parfait. Bon bah c'est pas grave, j'aurai un stack de orange. OK, nickel. On va prendre celui-là. Merci les gars. Eh ben, mieux vaut tard que jamais. Jusqu'ici, me suiveur. Eh, c'est les anciens abonnés. Ouais, bah du coup, je peux pas les taper. Bon, je vais les épargner, eux, du coup, parce que j'ai dit que c'était les anciens abonnés, donc j'ai pas envie de leur faire du mal. Bah, il est tout seul, en plus, le con. Eh, attendez, il a disparu devant moi. Comme un fantôme. Bah, c'est ça, c'est comme les abonnés. Je vais dire plutôt, quand même. Alors. Oh, merde. Non. Pourquoi? Non, ma vache. Tu es ma vache. Je la regarde, j'ai fait une écluse exprès. Tu restes ici, je mets ça comme ça, personne viendra te déranger. Je te mets des petites lumières. Je te mets un petit lit si jamais t'es fatigué. Et puis tu sais quoi, je te mets même un bloc d'or, comme ça tu feras la meuf riche. Et voilà. Comme ça personne ne saura que t'es là. Tiens, et puis je te donne mon totem of one day. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne l'autorité. Couche 18. Couche 17. Couche culotte. Pas rapidement, mais ça suffit pas, regarde. Ah, voilà. C'est bon. Let's go. Ça, c'est magnifique. 1, 2, il y en a un troisième. Oh, mais wesh. Oh la vache à la gichine. Derrière le quartz, des fois, vous savez. Une statue géante de moi. Ça va la comédie ou quoi? On a toutes les Ender Pearls pour le Stronghold. Hein. Et je fais ça, et on a. Netherite Sword Sharpness 3 Fire Aspect 2 and Mending. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ce plastron magnifique. Oh, avec l'or, c'est parfait en plus. Là, il est heureux là. Il est sur son compost, il est en train de twerker. Oh, il travaille, ça y est. Par contre, il faudrait labourer hein. Ma foi, merci à tous vraiment les gars. C'était super cool, j'ai adoré ce live. Merci à tous ceux qui m'ont retrouvé, voilà tout simplement. Mais merci à tous ceux qui sont revenus. Merci à tous ceux qui étaient là du début à la fin, ceux qui sont passés, ceux qui sont partis, ceux qui viennent de rejoindre en cours de route, etc. Ça fait super plaisir, gros big up Papy War. Merci beaucoup pour les subs offerts justement. Mouhahahahaha.